Salut à tous, c'est Pong National, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de niveau de conscience. Le niveau de conscience, c'est un concept que j'avais entendu quand j'étais ado et qui présentait l'idée que nous n'étions capables de vivre que certaines choses par rapport au niveau de conscience qu'on a. En somme, on est capable de percevoir des choses qu'à partir du moment où notre transe est en train de se modifier. En somme, on peut se rendre compte qu'on a des transes qui sont hallucinatoires, avec un ensemble de patterns, donc de schémas qu'on a automatisés à l'intérieur de nous, et qui, assez souvent, nous font répéter les mêmes comportements, les mêmes discours. Au fur et à mesure de notre évolution, qu'elle soit volontaire ou pas au travers d'un travail perso, on va changer nos cadres. On peut changer nos cadres, on va, c'est pas toujours le cas, mais on peut changer nos cadres. À partir du moment où on commence à changer nos cadres, on peut ouvrir une capacité à percevoir des choses qui, dans l'absolu, ont toujours été là, parce qu'on est bien d'accord que la réalité commune ou les concepts qui existent déjà sont là, sauf qu'il y en a qu'on est capable d'entendre, et d'autres de ne pas entendre, de voir ou de ne pas voir, de ressentir ou pas. Tout simplement, parce qu'on a une transe préprogrammée qui biaise complètement l'ensemble des éléments perceptifs qu'on peut vivre. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on arrive au travers des transes orientées dans l'hypnose à faire vivre des éléments qui n'existent pas, mais qui pourtant le corps et l'esprit, le cerveau, va adhérer. En gros, on biaise les informations. Et on est persuadé à un moment donné qu'il fait très chaud ou qu'il fait très froid, si on fait de l'hypnose de scène ou de l'hypnose de rue, qu'on revoit quelqu'un, oui, par exemple, pour un deuil, on peut faire revoir et ressentir la personne, alors que bien sûr, on n'est pas en train de faire un boulot ésotérique du tout. Ce qui nous amène à cet élément-là que moi je trouve vraiment surprenant, parfois hyper frustrant, stressant, c'est cette capacité à avoir un niveau de conscience qui s'élève ou pas. Et c'est d'autant plus frustrant que c'est une sémantique qui peut être expliquée, exprimée par beaucoup de personnes qui ne veulent pas aller dans la discussion ou qui veulent absolument imposer une vérité. Imaginez. Je vous prends un cas très concret. Il y a peu de temps, on parlait avec Emeline d'un sujet. Et ça fait des années qu'on parle de ce sujet-là. Et d'un élément tout simple qui était de prendre conscience que c'est en fonction d'un élément tout simple de son état d'esprit que tu peux percevoir des nouvelles choses. On était donc en train de discuter de ça, c'est des choses qu'on a discutées pendant des années, plein de fois en tout cas pendant des années. Et elle me dit, ah bah, je viens de lire dans un bouquin telle logique. Et c'est une logique qu'on a échangée plein de fois. Sauf qu'elle m'expliquait qu'elle n'était pas du tout apte à entendre ça. Là, elle a eu une espèce de révélation. Une espèce de, waouh, ça me parle. C'est pourtant un thème hyper courant et hyper basique, c'est même pas quelque chose qui monte dans des niveaux de compréhension complexes. Mais dans sa façon de voir les choses à ce moment-là, impossible pendant des années de l'entendre. Et j'imagine que ça arrivait à beaucoup de personnes, des choses qu'on a entendues quand on était jeune ou enfant. Et on ne comprenait pas pourquoi les parents, les enseignants, les personnes qui avaient un peu plus d'âge que nous, nous disaient non mais t'inquiète, un jour tu comprendras certainement ça. Mais parce qu'à ce moment-là, on a un niveau de perception de notre vie ou des événements ou autres qui nous empêche complètement. On est dans des transes et on sait que nos transes, elles sont hyper rapidement hallucinatoires. Et en plus, à cette hallucination, on va avoir un biais d'autoconfirmation. Donc en gros, on est dans un monde fermé. Ce qui fait que même si on dit quelque chose, ou même si le conseil a été donné, ou la suggestion a été donnée, eh ben, ça passe au travers, voire même on oublie complètement que ça a été dit. Parfois, ça revient parce que d'un coup, on a capté
la suggestion par un autre angle, quelques années plus tard avec de la maturité, etc., arrive, et puis on fait un lien en se disant, mais c'est pas ce que m'avait dit mon père, ma mère, mon prof, mon coach, mon truc, etc., etc. Ou parfois, on s'en rend même pas compte, et c'est en discutant avec d'autres personnes, où la personne dit, mais putain, on en a déjà parlé, regarde, on l'avait même écrit, on avait même fait truc, je m'en souviens pas. Donc cette capacité ou cette incapacité à un moment donné à percevoir, capter, se souvenir, voire même si on est en train de faire un exercice dessus, ne pas distordre le message, eh bien, il y a des moments, on l'a pas. Ce qui fait donc que certains gourous, et là je vais mettre le mode gourou en mode connard, vont dire, ah mais oui, non mais là ce que je suis en train d'expliquer, tu peux pas le comprendre parce que tu n'as pas la vibration suffisante, si je vous le fais en mode ésotérique, tu n'as pas donc le niveau de conscience suffisant, t'es pas assez ouvert à ça aujourd'hui, parce que ce que je dis en fait c'est vachement intelligent, c'est génial, c'est extraordinaire, regarde moi je suis éveillé, etc. etc. Et c'est là où c'est compliqué. Autant je trouve que prendre conscience qu'il y a des moments où on est dans des transes et on est pour l'instant inapte à capter, entendre et voir énormément de choses, en gros on filtre à fond pour aller toujours dans la confirmation de ce que l'on pense, que l'on voit, etc. Et qu'il nous faut parfois une crise, un mouvement assez intense à l'intérieur de nous pour recadrer un petit peu ou beaucoup, et ben ça peut être surexploité par des gens qui eux n'ont rien compris de plus, mais qui ont compris que tu peux toujours dire qu'il y a un invisible, il y a un inconnu, il y a des éléments qui sont là, mais que tu n'es pas capable de voir. Ce qui est vrai, mais qui va être orienté de façon à te mettre en posture basse par rapport à lui, le connaissant, celui qui l'a vécu, celui qui a accès à des choses que tu n'as pas accès. Et ça fait très rapidement, bah, plein de gens qui vont suivre celui qui sait, celui qui officiellement est sorti de cette transe-là pour rentrer dans une autre transe moins fermée, et donc bah, qui balance des infos, mais qui de toute façon, même si c'est vrai, on va prendre par l'idée que c'est vrai, les personnes ne seront jamais, ou très peu, jamais c'est un mot qui est un peu dur, très peu aptes à capter ce qui va être dit par ce gars-là si réellement il a un cadre très grand et donc une perception très ouverte. Parce que notre cerveau, parce que nos trans, parce que nos patterns, bah, nous l'empêchent. Et on aura beau te le répéter 10 000 fois, faire 1 million d'exercices dessus, tant qu'on va pas nous avoir justement cette capacité à recadrer, à peut-être même dans le même cadre se placer autrement, donc en gros dans sa transe réussir à avoir un élément qui va nous permettre de percevoir notre transe ou une partie de la transe de façon différente, ça ne servira à rien. Et c'est là où il y a, on revient, et là sur plutôt les gourous positifs, les méditants, les personnes qui sont en travail perso assez intense, où au bout du compte, tu te rends bien compte que, c'était les taoïstes qui disaient beaucoup ça, que le maître, celui qui est dans le cheminement de compréhension de pas mal de choses, c'est souvent celui qui parle très peu, parce que il se rend bien compte que ce qu'il va expliquer aux gens ne sera pas compris, sera distordu, sera omis, et sera dès lors, même si le message est passé, ça ne fera aucun écho aux personnes parce qu'elles n'ont pas le chemin ou en tout cas, ils sont pas encore dans une transe suffisamment ouverte pour percevoir, entendre et en gros sortir des hallucinations. Et indirectement, on revient un petit peu à ce que on peut entendre dans beaucoup de religions, avec les voiles chez les musulmans, avec l'éveil chez les bouddhistes, etc., etc. La connexion au Tao chez le taoïsme, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à prendre en compte et se poser la question par rapport à nous, dans notre histoire, parce qu'on ne peut pas s'amuser à savoir par rapport à autre chose, dans notre histoire, le nombre de fois où il y a des choses qui d'un coup sont devenues claires et on est en train de se souvenir qu'on l'avait déjà entendu, on l'avait peut-être même vu, on l'a peut-être même vécu, mais que ça avait complètement disparu, voire même on n'a pas compris le fond de l'élément parce qu'on n'avait pas cette capacité
à avoir la conscience de ces éléments, de ces événements-là. Si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao!